Avant de discuter top list, voici une petite correction de règle sur la vidéo T-Réaction. Dans cette situation, l'unité de Loutonner pourra tirer sur le balistus engagé contre eux seulement avec leur pistolet, comme nous l'explique la note de designer des gros calibres. Merci à ceux l'ayant remarqué et écrit en commentaire de cette fameuse vidéo. D'ailleurs, cela me permet de vous dire que vous ne devez jamais prendre au pied de la lettre ce que peuvent dire les créateurs de contenu sans avoir vérifié par vous-même. Moi le premier, même si je suis plus technique que certaines autres chaînes, et cela sans être péjoratif, je reste humain. Et une erreur ou un oubli peuvent s'inviter. De plus, je vous invite fortement à regarder en description, car je vous mets le lien de la chaîne Twitch de la FEC qui organisera quelques lives tournant autour des règles. Enfin, pour finir avec cet aparté règle, lorsque vous posez une question de règle, que ce soit sur mon Discord ou celui de la FEC, s'il vous plaît, mettez la source des règles dont vous parlez, histoire de nous faire gagner du temps. Car je vois trop souvent des personnes poser leurs questions, ne pas mettre de source, et lorsqu'on demande les sources, on a un silence radio. Je ne vais pas parler à la place des membres de la FEC, mais d'après moi, ils n'en pensent pas moins. Car nous ne sommes pas un libre service. Nous le faisons sur notre temps libre et parce que l'on aime bien aider les membres de la communauté. Donc comme le dit mes règles Discord, soyez gentils et joignez vos sources. Bon, je râle un petit peu, mais vous êtes déjà nombreux à le faire, alors merci à vous. Allez, j'arrête de digresser, bon épisode top list à tous. Nous commencerons l'épisode avec un tournoi ayant regroupé plus de 30 joueurs, le French Wargame Café Grand Tournament, où nous regardons la confrontation ayant opposé Khal Drogo avec ses Ultramarines contre les Drukhari d'Aimé. Oui, elle ne joue pas Tyranide ni World Eater cette fois-ci. Commençons par la liste Ultramarines. Nous sommes en détachement Vanguard, classique, puisque j'annonçais que c'était une liste Ultramarines. Dans les personnages, un apothicaire biologiste avec l'optimisation de la lame plantée, Marneus Khalgar et ses deux gardes Victrix, Uriel Ventris. Dans les autres unités, on va avoir deux unités d'éradicateur, alors attention, on en a une de 6 et une de 3. On continue avec une unité de 6 centurions dévastateurs avec leurs missiles tétons et leurs canons laser jumelés, une unité de héros de compagnie, deux unités de 6 inceptors en plasma et une unité de 3 en bolter, deux unités de 5 scouts avec l'équipement habituel, c'est-à-dire les deux fusils Astartes, le bolter lourd, le sniper et l'épée tronçonneuse sur le sergent. Parmi les unités alliées, on va avoir un assassin Calidus, grand classique, ainsi qu'une petite unité de 4 hommes de main de l'Inquisition. Passons à la liste des mets avec ses Drukhari. Pour commencer, maintenant que l'index Drukhari possède deux détachements, il va falloir préciser le détachement utilisé, et ce sera le tout nouveau Assaut Felciel. Dans les personnages, nous avons deux archons. Le premier aura l'optimisation pillère amère afin de récupérer des points de souffrance, le second aura le linceul de cauchemar pour éviter les tirs d'Overwatch. On rajoute l'élite Esperax en tant que seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, on commence avec deux unités de guerriers kabbalites, avec les lances-grenades, la lance des ténèbres et tutti quanti, ainsi qu'une unité de 10 sérastes, aussi équipée du lance-grenade. Dans les transports dédiés, on va avoir 4 saccageurs équipés de lances de ténèbres, un Venom, et dans les autres unités, on commence avec un Chronos pour régénérer les points de souffrance, deux unités d'un cube, alors on en a une de 10 et une de 5. On finira avec deux unités de 5 Mandragores, un Ravageur équipé des 3 lances des ténèbres, trois unités de 3 écumeurs, à chaque fois équipées d'une lance chaude, la Heat Lens, et on finit avec 3 unités de 5 fléaux, tous équipés de 4 lances des ténèbres. Allez, passons au débrief. Dans ce match, nous assistons à une confrontation entre le tout nouveau détachement Assaut Felciel et l'une des compositions les plus puissantes des derniers mois, les Ultramarines Vanguard. Du côté de la Vanguard, Khal Drogo embarque plusieurs unités coup de poing très redoutables, des éradicateurs, des inceptors et le redoutable bloc de Centurion Devastator. Ils peuvent choisir leur moment pour arriver en frappe en profondeur et semer le chaos, pouvant rester à distance et éliminer l'ennemi sans trop sourciller. Merci Uriel Ventris. Ils aiment garder l'ennemi à distance et peuvent contrôler les engagements de manière exceptionnelle. Du côté des Drukhari, le nouveau détachement est mis à l'épreuve, avec cette composition d'aimés mêlant une incision au corps à corps bénéficiant des nouveaux apports du détachement avec beaucoup d'utilité. L'élite avec ses sérastes et un grand retour des unités d'un cube avec à leur tête un archonte, mais aussi de protection et d'unités de soutien pour marquer des points. Les écumeurs sont très flexibles en tant qu'option de jeu. Ils sont rapides et représentent un objectif contrôle de 6, permettant de pouvoir menacer tous les pions objectifs du champ de bataille.
si son adversaire ne fait pas suffisamment attention. Mais leur plan de jeu classique reste la validation des actions et des objectifs tactiques. Pour finir, il n'en demeure pas moins inefficace pour ce qui est de créer de l'espace sur le champ de bataille, pour rendre l'arrivée des réserves adverses beaucoup plus difficile. Au même titre que les Mandragores, c'est une unité clé dans la manière dont la liste marque ses points de victoire. Dans cette confrontation, cela pourrait être un défi pour la Vanguard, car les Drukhari disposent de nombreux atouts et de nombreuses lances des ténèbres via le Ravageur et les Fléaux pour abattre les unités de Marines qui se montreraient un peu trop présomptueuses. Mais ne vous y fiez pas, car le potentiel de réponse que possède la Vanguard est énorme. Démanteler toute l'armée Drukhari et faire face aux unités qui débarquent de l'entransport pour vous sauter à la gorge ne sera pas chose aisée. Les deux factions possèdent tout de même beaucoup de répondants. Les Drukhari ont largement la rapidité suffisante pour rattraper les unités Vanguard qui s'éparpillent au travers du champ de bataille, et n'ont pas à échanger à chaque fois grâce au repli spectral qui permet à leurs unités de mêlée de battre en retraite en toute sécurité dans leur transport. En fin de compte, je pense que c'est la variété des atouts qui a permis aux Drukhari de remporter la première victoire 90 à 75 dans un événement et dans cette nouvelle méta. Regardons le débrief de la liste Drukhari. Les nouveaux Drukhari font sensation avec une victoire en tournoi. Le nouveau détachement propose de nombreux outils assez subtils pour danser autour de ses adversaires, et beaucoup d'entre eux sont mis en avant. Le bloc d'un cube avec le linceul de cauchemar peut simplement ignorer les tirs de réaction ennemis, vous offrant un marteau très puissant à abattre au besoin. L'élite, c'est une redoutable tueuse d'infanterie dans le nouveau détachement, et ses rastes pouvant désormais infliger des dégâts également. Et bien que vous ne vouliez pas trop investir de ressources dans les lances des ténèbres, en apporter 15 à 18 comme le fait cette liste garantit que les armures ennemies doivent être très prudentes en permanence. Trouver l'équilibre entre les nouveaux outils et les meilleures options de tir dans l'armée est maintenant crucial, tout comme la gestion de la génération de vos jetons de douleur. Mais c'est formidable de voir que je n'avais pas tort de dire que le nouveau détachement relancera forcément la faction. Qu'elle devienne un incontournable ou non, toutes mes félicitations à Aimé pour avoir remporté la première place. Quelque chose me dit que l'on verra bientôt un débrief sur sa chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait au moment où cette vidéo sort. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description. Après la France avec le French Wargame Café, nous restons en Europe avec la Pologne et le Dice Breaker ayant regroupé plus de 60 joueurs parmi l'une des nations les plus fortes, Warhammer 40 000. Commençons avec la 4ème place, ce sera une liste Necron hypercrypte. Dans les personnages, on va commencer avec une triplette d'Octan, le Nightbringer, le Dragon du Vide et un Transcendant Octan. On rajoute un Destroyer Exmark en tant que seigneur de guerre, un seigneur Locust avec l'optimisation Arisen Tyrant. On continue avec deux Technomancers et dont l'un aura l'optimisation Ostéoclave Fulcrum. Dans les autres unités, ce sera deux unités de Spectre avec les petits faisceaux à particules, trois unités d'un Destroyer Locust, trois unités de Locust Lourd Destroyer. Alors attention, on a deux unités de 2 avec le Ghost Destructeur et une unité de 3 en Exterminateur. Allez, regardons le débrief. La démonstration d'une variation de plus en plus populaire de l'Hypercrypt pour débuter ce top 4. Mettant en vedette beaucoup de spectres et la triplette d'Octan. Cela offre une quantité importante d'unités mobiles, grâce à la téléportation, et très résistante pour contrôler le champ de bataille autour desquels les unités de destroyers peuvent s'immiscer, éliminant tout ce que les Octan ne peuvent pas gérer. J'apprécie vraiment l'utilisation d'un seigneur avec Arisen Tyrant, accompagné de destroyers lourds low-cost avec les exterminateurs. Lorsque cette unité est pleinement déployée, elle dégage une quantité de tirs spectaculaire et elle est assez efficace contre d'autres constructions Necron, car elle est bien équipée pour éliminer les spectres et également infliger des dégâts significatifs aux Octan. De plus, ils ont une empreinte beaucoup plus petite qu'une unité complète de destroyers classiques. Certainement une alternative à essayer, donc félicitations pour cette 4ème place. La 3ème place, on aura une liste World Eater, n'en déplaise au Drama Queen, car votre index reste très largement jouable. Il a simplement subi un équilibrage largement justifié. Bon, après avoir dit ça, je sens que je vais prendre un vent de commentaires. Bon, au moins, ça fera du référencement. Dans les personnages, on va avoir Angron en tant que seigneur de guerre, un Lord Invocatus, un seigneur sur Juggernaut avec l'optimisation Vouge de Berserk, deux maîtres des exécutions dont l'un aura l'optimisation Assoiffé de combat. Dans les unités de ligne, on y retrouve deux grandes unités de 10 berserkers de cornes, et pour ce qui est du reste, on va avoir deux unités de 3 octoliers, une unité de 2 rejetons du chaos, et dans les unités alliées, on va retrouver deux brigands avec les lance-missiles Avoc. Allez,
Passons au débrief. Je dois dire que le joueur a trouvé une construction appropriée aux récents affaiblissements subis par les changements en points. Cette liste possède des options bien connues pour fournir des mouvements d'éclaireur afin d'imposer une pression maximale. En prenant les deux grandes unités de Berserker, on peut tirer le maximum de valeur du bonus d'Invocatus, combinant le mouvement d'éclaireur, intégrer des octoliers pour déplacer presque la moitié de l'armée vers l'avant. En ajoutant quelques brigands, cela donne à l'armée un moyen d'exploiter le temps que l'adversaire prend pour se dégager de l'assaut initial, et offre un excellent moyen de nettoyer les troupes légères ainsi que des tirs de fusion massifs pouvant effrayer l'Ektal. L'optimisation assoiffée de combat sur l'un des maîtres des exécutions est assez astucieuse. Combinée à l'élan sanguinaire des berserks, elle rend très difficile pour une armée adverse de planifier de bonnes charges, à moins qu'il ne renonce complètement à tirer sur l'unité. Dans l'ensemble, c'est plutôt cool, mais aussi clairement très binaire comme style de jeu. Dans tous les cas, félicitations d'avoir maintenu Khorne sur le podium avec cette troisième place. Allez, on passe à la seconde place, car on va avoir une liste d'Archangel en détachement Vanguard, et celle-ci sort vraiment de l'ordinaire. Car dans les personnages, on commence avec deux archivistes Phobos, dont l'un sera seigneur de guerre, et en termes d'optimisation, on commence avec le vétéran de guérilla, et la seconde optimisation, ce sera exécution et redéploiement. On y rajoute un lieutenant en armes combinées, et ensuite on passe directement aux autres unités, avec deux gladiateurs lanceurs, deux unités de 3 inceptors en plasma, et on continue avec deux unités de 5 infiltrateurs, avec le gantelet Helix et les communications, un chasseur Néphilim, deux répulseurs exécutionneurs, et 3 unités de 5 scouts. Et ce n'est pas fini, car dans les unités alliées, grand classique, l'assassin Calidus ainsi qu'une unité de 4 hommes de main de l'Inquisition. Regardons le débrief. Voici un choix plutôt inhabituel. Prenant un ensemble d'outils tels que les gladiateurs lanceurs et des répulseurs exécutionneurs, ils seraient normalement utilisés dans une liste Iron Storm. Les placer dans un détachement Vanguard ajoute une dose supplémentaire de subtilité en utilisant les scouts et les infiltrateurs pour tenir l'adversaire à distance et maximiser la valeur de la règle du détachement sur les tanks. Cela lui donne un avantage dans les affrontements à longue distance, précieux contre d'autres listes de Marines et encore mieux contre les Votan ou l'Astra Militarum, tous deux ayant une capacité de tir de base assez faible et un accès relativement limité aux relances. Vous avez également un peu plus d'un plan B contre un adversaire qui parvient à vous attaquer, en marquant des points efficacement grâce à toutes les capacités de repositionnement. De plus, vous avez de quoi complètement neutraliser un à deux stratagèmes tactiques de bataille grâce à la Calidus et l'optimisation vétéran de guérilla. Je soupçonne que le choix de cette liste Vanguard plutôt qu'en Iron Storm est une préparation pour un événement en équipe qui se déroulerait en Pologne. Dans tous les cas, cela a clairement montré ses capacités pour une performance sérieuse, remportant 3 victoires et 2 matchs nuls. Bravo pour cette seconde place. Enfin, à la première place, une faction déjà bien connue. Comme je l'avais annoncé, leur index est tellement riche en unités puissantes, ils resteront dans le top des meilleures factions. Et peut-être seront-ils moins cauchemardesques à affronter. Je parle bien d'une liste à Eldari. Dans les personnages, comme d'habitude, Lothark saute voie en seigneur de guerre, avec l'optimisation de la gemme du phénix, un avatar de Kane, un grand prophète, Wigan, un petit spirit. On finit avec les personnages sur un psycharque, coureur céleste avec l'optimisation des pierres de l'art. Dans les unités de ligne, une unité de 10 gardiens défenseurs, dans les autres unités, un faucon, une unité de 5 dragons flamboyants, une unité de 5 rangers. On finira sur deux unités de 5 shadow spectres, une unité de 5 araignées spectrales, une unité de 6 gardiens du vent, tous équipés de canons shuriken, et un gros bloc de 10 guerriers fantômes. Allez, passons au débrief. Dans l'ombre des unités classiques comme les Night Spinners et les Gardes Fantômes, certaines unités qui brilleraient dans n'importe quelle autre armée passaient souvent inaperçues. Maintenant que les unités dominantes ont été un peu atténuées, les passionnés des Eldari explorent davantage leur arsenal, dévoilant des compositions comme celle-ci. Les Guerriers Fantômes par exemple ont été loués pour leur rôle d'ancrage solide essentiel pour exécuter des plans de jeu centrés sur les objectifs, surtout lorsqu'elles sont soutenues par un grand prophète, lançant chance. Avec les changements récents dans l'univers compétitif, attendez-vous à voir plus de grands prophètes menant des unités de gardiens sur le champ de bataille, maintenant que les tirs indirects ont été réduits et que les dés du destin sont plus précieux. Cette liste comprend des unités pouvant accomplir des objectifs secondaires basés sur l'action, renforcés par des combattants lourds comme l'Avatar et l'unité de gardiens du vent. L'Avatar reste une force redoutable, tandis que les gardiens du vent acquièrent une nouvelle importance dans une méta moins dominée par les Night Spinners. Les équipés d'un psychar coureur céleste
Avec les pierres de l'arme, fournit des dés du destin supplémentaires pour renforcer l'ensemble de l'armée. Avec moins de contraintes à utiliser constamment le fantasme, les joueurs peuvent se retrouver avec des points de commandement supplémentaires permettant d'utiliser, tirer et disparaître. Dans l'ensemble, cette liste maintient sa fiabilité dans la capture d'objectifs et compte des unités difficiles à contrer pour les adversaires. En tout cas, mes félicitations pour cette première place. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyUbiPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.